Père qui sert de ce qui sera fait. Baptisez le Seigneur du baptême de feu au nom de Jésus. Oh Dieu, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi ce matin. Nous les pauvres péchés. Nous venons à toi, applaudissons. Nous venons à toi, Seigneur. Oh Dieu, alléluia, nous avons confiance. Que ton nom soit élevé, Seigneur, à Dieu soit la gloire.
C'est pour eux, c'est pour nous que tu as été sur le bois du
caverne, nous voici, Seigneur. Fais-nous ce que tu veux, que tu obéisses encore ce matin. Commence avec nous, termine avec nous-mêmes. Comme pour ta gloire, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas les noms de Jésus. Nous les chassons de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit d'incrédulité, l'esprit de maladie au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'infirmité, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Délibérez ces lieux, délibérez les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seul que le Saint-Esprit opère en ces lieux, que le Saint-Esprit domine en ces lieux, que le Saint-Esprit est prégnant. Seigneur, tu es libre maintenant d'opérer parce que tu es Dieu, c'est ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci, mon Dieu. Bénis la parole. Bénis tous les services. Guidez-les jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Son baptême est le Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut quand même faire pour le Seigneur Jésus? Présence de Dieu qui parle. Ce matin, nous sommes encore bénis dans sa présence. Nous sommes bénis en sa présence, dans sa présence. Encore ce matin, pour l'élever et glorifier, pour confesser nos péchés. Alléluia. Amen. Yes, pour lui donner notre nature humaine et prendre sa nature divine. Yes, devenir participant de la nature divine de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a la sœur Anna qui a un cantique, Anna Gazali, qui a un cantique pour son Seigneur et péché.
Oh,
Thank you.
Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. J'ai lu la parole du Seigneur, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans les sanctuaires par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire les sachets, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume des quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction et guide sa parole. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Une fois de plus, je voudrais vous saluer ce matin dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin à la maison de Dieu. Le vendredi, j'avais commencé à pouvoir montrer un petit peu la fonction de l'huissier au sein de l'Église. J'avais présenté l'huissier avant mon déplacement, mais je n'avais pas encore expliqué quel est le travail de l'huissier, qu'est-ce que l'huissier doit faire au sein de l'Église. Amen. Et c'est ce que je me demande, on va montrer un petit peu, par la grâce de Dieu, j'ai confiance dans les prières que Dieu pourra nous venir parmi nous ce matin. Devant lui, j'avais déjà introduit. Et je ne serai pas foncé parce que je sais qu'il y avait vraiment des absents. Et je dois revenir parce que ces choses doivent être gardées. Il y a non seulement cet auditoire qui écoute, je sais que même ceux qui sont très très loin, même en Afrique, même ailleurs, aux États-Unis, au Canada, partout, il y a des gens qui suivent ces prédications aussi. Autrefois, j'ai dit tout le long de la chaîne ici, et je crois que vous l'avez peut-être senti, il y a mon appareil qui sonnait, je faisais que couper, ça sonnait, je faisais que couper. C'était un groupe de frères qui sont à Angola. Ils me disaient, ne coupez pas, nous vous suivons, ne coupez pas. Moi, je ne voyais pas, c'est ne coupez pas, pardon, nous vous suivons ici. C'était un tapas, ils étaient en train de suivre. Il y a des gens qui sont branchés, il y a des gens, même après la prédication, pas sur Internet, pour suivre ces choses. Ils ont confiance que ces dons est une bénédiction pour eux. Amen. Ouais, j'avais parlé au vendredi et j'ai demandé aux jeunes gens qui avaient la caméra, qui filment, de ne pas penser que le vendredi c'est la prière. Il faut toujours avoir vos appareils, chacun à son poste, parce que ça ne veut pas comment Dieu produit. Il faut toujours amener, regarder ces choses. Et entre autres, il y a des salutations qui viennent de partir par là. Il y a des frères qui sont à Sao Rimo, qui vont demander de vous servir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai des enfants qui prêchent la parole de Dieu et qui sont éparpillés un peu par-ci par-là, qui sont sortis de ce ministère et qui sont dans la joie de suivre sur Internet, d'écouter certains qui viendront là-bas,
Seigneur, il faut venir un peu ici tout ça. Ainsi que j'ai transmis ce matin leurs salutations au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui suivront à Kapa, Luanda, ceux qui suivront par exemple à Sao Paulo, ceux qui suivront même au Congo, je ne sais pas moi, à Kinshasa, partout, on peut capter nos États-Unis au Canada, que le Seigneur vous bénisse amplement. Et je sais aussi qu'il y a des gens, même ici en Europe, qui suivent ces prédications aussi. Donc il est de mon intérêt de pouvoir les bénir, c'est ce que j'avais parlé vendredi, parce que je crois que c'est vital pour la vie de l'Église. Amen. C'est vrai que le grand sujet que nous avons, c'est dans sa présence, tout en sa présence. Et expressément, je voulais ouvrir une brèche pour parler un peu sur le travail de l'huissier, qu'est-ce que l'huissier doit faire au sein de l'Église. Dans le message, la restitution de l'âme de l'Église. Le saint prophète dit ceci. Les jours de la Pentecôte, ils sortirent et se comportaient comme des hommes ivres. C'est la Bible qui dit, les gens disent d'eux qui sont pleins de vin nouveau. Mais Pierre leur porte-parole. Pierre était le porte-parole, Pierre était le pasteur du groupe. S'éleva et dit, ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il n'est que la troisième heure du jour. Mais ce que vous voyez, c'est l'accomplissement de la prophétie, ce que le prophète Joël avait dit. Et dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Est-ce que je t'entends et la mère? Amen. Les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu au sein de l'Église, les disciples, vous avez le témoignage qui le dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient d'un commun accord, d'un même cœur, et d'une même âme. Alors Dieu est descendu. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Dieu descende, les disciples ils étaient en prière, oui, mais ils étaient aussi d'un même cœur et d'une même âme. Amen. C'est dans ces conditions-là que le Seigneur les a remplis. Dieu, il a ce principe. Ce matin, Dieu veut nous remplir. Pour que Dieu nous remplisse, nous devons être d'un même cœur et d'une même pensée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les lieux où ils étaient, la Bible dit, a tremblé. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans divers langues. Comme Dieu est venu de s'exprimer. Des langues de feu apparurent sur chacun. L'expérience, le baptême du Saint-Esprit est une expérience réelle. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas l'ensemble des situations, c'est une réalité que les croyants doivent expérimenter. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour le pasteur, c'est pour tous les croyants, pour toute l'Église. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ouvrez dans Actes chapitre. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Actes 2, il est dit ceci. Les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Vous savez qu'il y a des églises qui évitent de lire cette écriture. Il y a des gens qui évitent de lire Actes 2. Pourtant, c'est une écriture. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Amen. Rarement, vous allez écouter dans les églises, on va lire ça. On esquive. Les jours de la Pentecôte,
Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux, un bruit comme un vent impétueux, un vent très fort. Et il remplit toute la maison où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posaient sur chacun. Donc ils se regardaient, il y avait des langues de feu sur chacun. Alléluia! Des langues de feu, la grande colonne de feu. Dieu est la grande colonne de feu. La divinité suprême. Ces jours-là, elle s'est divisée sur chacun. Amen. La colonne de feu qui vient sur les prophètes. Le but, ce n'est pas s'arrêter là-bas. Le but, c'est diviser sur chacun. Chacun doit avoir sa part. Pour monter, il faut avoir sa part. C'est la soucoupe volante. C'est ça ce qui va vous prendre pour vous amener. C'est cette colonne de feu ici qui descend sur les prophètes, que nous observons sur les prophètes, qui peut descendre sur l'épaule du prophète, c'est une réalité, qui peut entrer dans les prophètes pour manifester la présence de Dieu dans cette génération. La colonne de feu se manifeste parce que la promesse disait, Dieu, Jésus, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de David, il est le Fils de l'homme. Il s'est révélé chez les Juifs et les Samaritains comme étant le Fils de l'homme. Il va se révéler en Israël, il est le Fils de David. Mais pour nous, les nations, au travers des âges de l'Église, dans le premier âge de l'Église, il était là. Mais comme le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Deuxième âge, troisième âge, etc., etc. Durant les six âges, Jésus se révèle comme le Saint-Esprit au sein de l'Église. Amen. J'ai pas entendu la main. Amen. Premier âge, deuxième âge, troisième âge, etc. Jusqu'au sixième âge. Mais au septième âge, il y a une promesse. Au septième âge, nous avons une promesse. Il y a la promesse de Malachie 4. C'est-à-dire, un prophète va apparaître. Amen. Ceux qui sont venus dans les autres âges, ce ne sont pas des prophètes, à part Paul. Ce sont des réformateurs. Mais nous, dans le septième âge, nous devons recevoir un prophète. C'est Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que les jours de l'Éternel arrivent, ces jours doivent venir. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi consolée. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi de la Pentecôte. Il ramènera les cœurs des enfants à la foi de la première église. Il ramènera les cœurs des enfants à un Dieu vivant, à un Dieu réel. Il y a une promesse. Amen. Au septième âge, dans notre âge, j'ai dit il y a la promesse de Malachie 4. Il y a aussi la promesse de Luc 17:30. C'est pour notre âge. Le Fils de l'homme, Jésus doit se révéler comme le Fils de l'homme. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est sur nos promesses. Il y a Zacharie 14. Mais les temps d'histoire la lui-même arrivera, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un mystère qui va se faire dans notre âge. Sur la terre, il y a un prophète et il y a une colonne de feu qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère qui va se faire. Nous devons recevoir Jésus comme le Fils de l'homme. C'est pourquoi sur la terre, un prophète vient. Et le retour de la colonne de feu, que madame dit, c'est la chose qu'on attendait. Pourquoi? La promesse est que nous devons voir Jésus, pas comme le Saint-Esprit, pas comme le Fils de Dieu, mais comme le Fils de l'homme. Il y a un mystère, il y a un prophète, il y a une colonne de feu. Que madame dit, le prophète n'est pas le Fils de l'homme. La colonne de feu n'est pas le Fils de l'homme.
Amen. Alléluia. Amen. Le prophète qui est sur la terre, il n'est pas le fils de l'homme, Jésus-Christ. La colonne de feu qui vient, ce n'est pas le fils de l'homme. La colonne de feu, c'est la théophanie de Dieu. La colonne de feu, c'est la parole. La colonne de feu, c'est Christ. La colonne de feu, c'est la plénitude de la divinité de Dieu. La colonne de feu, c'est l'ange. Mais dans notre âge, au 7e âge, il y a un mystère qui doit se faire. Nous devons voir Jésus comme le fils de l'homme. Parce que dans les âges, il s'est révélé comme fils de Dieu, le Saint-Esprit. Chez les Samaritains et les Juifs, ils l'ont vu comme le fils de l'homme, discernant les pensées des cœurs. C'est pourquoi, pour que ce mystère s'accomplisse, il faut que la colonne de feu s'incarne dans les prophètes. Et cela ne révèle pas sur Branham. Non. Cela ne fait pas que Branham doit être adoré. Non. Ce matin, nous ne sommes pas venus adorer Frère Branham. Non. Nous sommes venus adorer l'adorable. Amen. Nous sommes venus adorer le plus beau parmi 10 000. Alléluia. Nous sommes venus adorer le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui est adoré au tabernacle de Bruxelles, son nom, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est ainsi que dans cet âge, la colonne de feu se révèle. Dieu se révèle. Nous recevons la visitation de Dieu. Je vous ai toujours dit, toutes les promesses qui sont pour les derniers jours signifient Dieu a visité un peuple. Amen. Toutes les promesses signifient la présence de Dieu. Alléluia. Revenons maintenant au jour de la Pentecôte. Et la Bible dit, ces jours-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Cette colonne de feu que vous voyez, quand elle vient sur les prophètes, elle ne s'arrête pas là-bas. Frère Branham est parti, la colonne de feu est retournée. Ici où nous sommes, elle est avec nous. Ici où nous sommes, elle est là. Quel est le but pour lequel cette colonne de feu vient? C'est pour se subdiviser. Entrer en toi, entrer en moi, entrer en chacun. Amen. Des langues de feu leur apparurent, etc. Ils furent tous en toi. Et les gens sont là. Les gens sont venus. Quand ils ont entendu le bruit, les gens parlaient. Mais ces gens se sont écriés. On les entend parler dans nos langues. Ces jours-là, toutes les langues étaient parlées là-bas. Les langues des hommes ici étaient parlées. C'était des langues des hommes. Amen. Les Grecs écoutent les Grecs, les Portugais écoutent les Portugais, les Italiens. Mais ces gens-là, ils parlent comme ça. Les jours de la Pentecôte. L'expérience du baptême du Saint-Esprit est une réalité. J'insisterai toujours que c'est une réalité, tu dois l'expérimenter. Nous devons l'expérimenter. Ne vous limitez pas sur les citations, mais allez dans la profondeur de cette citation. Dans les citations, il y a la vie. Allez jusqu'à la réalité. Alors, cette église-là, lorsque Dieu les a remplis, le prophète dit, l'église a prospéré. Amen. Amen. Une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui doit prospérer. Ils sont allés. Dieu a confirmé leurs paroles par des signes, par des miracles, par des prodiges. Les malades étaient guéris, le boiteux marchait, les sourds entendaient, le mort ressuscité. Dieu a accomplissé sa parole parmi les disciples. Jésus est fait déjà parti. Je n'ai pas entendu la même. Amen. Donc, cette église, la Pentecôte, la véritable église, l'église primitive, la première église, était remplie du Saint-Esprit. Elle était accompagnée de la présence de Dieu, accompagnée du surnaturel. Elle prospérait. Elle était glorieuse. Je suis en train de mettre la base. Je vais parler sur le travail des disciples. Alléluia. Amen. Quel est le travail des huissiers au sein de l'Église? Parce que les huissiers font l'office des diacres pratiquement. C'est parmi les frères qui font les huissiers,
qu'on présentera un jour et l'Église dira oui, tes frères, tes frères, tes frères. Donc les huissiers, le travail qu'ils font, c'est le travail des diacres. Ce sont des futurs diacres que nous proposons, que nous sommes en train de former, que l'Église est en train de former. Mais quel est le rôle des diacres? Quel est le rôle des huissiers? Alléluia. Amen. J'ai montré ça le vendredi. Excusez-moi que j'enlève un peu cette histoire. Ça me chauffe. On met ça pour vous. Moi, je peux venir comme je veux. Je mets ça tout ça pour vous. Moi, je peux venir sans cravate. Un frère m'a dit, pasteur, toi, tu nous apprends. Hein? Nous, on n'a jamais vu. Toutes les années qu'on a pu servir un pasteur qui monte en chemise, c'est toujours fait. Mais ah, mais vous êtes compliqué. Tu nous apprends du neuf, tu montes en chemise. C'est comme ça. Tu peux monter dans ma bouche. Tu parles de mes sujets sans derrière. Mais ce n'est pas respect que nous mettons ces choses. Nous sommes devant les gens, il faut être propre. Amen. 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 Écoutez. J'ai montré les vendredis. L'Église, nous avons la commission. Allez par tout le monde, prêchez la parole de Dieu. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui vont voir. Je n'ai pas entendu la même. L'Église a cette profession-là. Une Église véritable, j'ai déjà montré ces choses, doit être suivie par des signes, des miracles, des prodiges, suivis de la confirmation de la parole. Amen. Amen. Mais il y a un aspect très important que l'Église a dirigé. Alléluia. Amen. L'Église est allée seulement sur l'aspect spirituel. L'Église n'est pas là seulement pour l'aspect spirituel. L'Église est là aussi pour l'aspect charnel. Amen. L'aspect social. Je peux entendre un amen. Les gens qui viennent à l'Église, il y a des pauvres qui viennent dans les églises. Amen. Il y a des gens qui n'ont rien, qui viennent, qui croient le Seigneur. Ces gens-là sont à la charge de l'Église. Amen. Les pauvres qui croient le Seigneur, les pauvres qui se convertissent, ils n'ont rien dans leur vie. Alléluia. Amen. C'est la responsabilité de l'Église. Amen. C'est l'Église qui doit les prendre en charge. Lisons l'écriture. Regardez toute cette écriture pour vous. Ces gens qui viennent à l'église, des fois, dans Actes chapitre 4. Verset 30. J'ai lu Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 30. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui croient au Seigneur Jésus-Christ, les gens qui viennent au Seigneur Jésus-Christ, doivent être d'un seul cœur, d'une seule âme. Amen. Quand vous venez au Seigneur, quand nous rassemblons en Seigneur, nous devons être d'un seul cœur, d'une seule âme. Amen. Amen. C'est dans ces conditions-là que Dieu peut bénir nos vies, peut bénir notre Église. Amen. Que Dieu bénisse. Les gens qui se rassemblent, quand nous venons dans cette Église, pour que Dieu bénisse l'Église, pour que Dieu visite l'Église, il faut que nous soyons d'un seul cœur. Pas une mauvaise pensée contre un frère, pas une mauvaise pensée contre une sœur, pas une mauvaise pensée contre un frère. C'est dans ces conditions-là que l'on va être assis dans les lieux célestes. Amen.
Pas une cigarette, pas une ceci, pas une boisson, pas une jupe courte, pas une mauvaise pensée, pas une convoitise. Quelqu'un parla en bien de son frère, quelqu'un parla en bien de sa soeur. Dans ces conditions-là, Dieu bénira l'Église. Amen. Amen. Frère Adam dit dans cette prédication, dans l'accession de l'âme de l'épouse, à la page 30, dit. Avant que j'arrive, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Est-ce que je vais entendre un amen? Personne ne disait que ses biens étaient ses biens. Mais leur bien était pour tout le monde. Leur bien, ils partageaient avec les autres. Les chrétiens doivent partager avec les autres. Amen. Oh, mais ça fait longtemps qu'on ne prêche pas ça. Pourtant, c'est la réalité. Amen. Amen. Les gens se sont retraités devant l'égoïsme. L'Église doit connaître ces choses. Vos biens, c'est pour vos frères. Vos biens, c'est pour vos soeurs. Amen. Je peux entendre la main. Amen. Votre famille, c'est ça votre famille. Yes, sir. C'est pas seulement ceux qui sont en Afrique. C'est comme je disais à certains frères, quand j'étais en Finlande. Dès qu'on apprend que son père est malade, là on fait tout pour envoyer l'argent. On apprend que la tante est malade, même si elle est sorcière, on fait tout. On a chez Western, on fait tout. Tia. Pourtant, c'est ça votre première famille. Et le ministre aussi. Amen. C'est ça la première famille que nous avons. Amen. Écoutez ce que. Quel est le rôle des diacres au sein de l'Église? Les diacres ont tout fait sauf ça. Yes. Sauf ça. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Écoutez les versets 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Je parle. Amen. Dans la première église, l'Église de Dieu, l'Église remplie du Saint-Esprit, n'y avait pas des indigents. Amen. C'est-à-dire, il n'y avait pas de pauvres. Amen. Il n'y avait pas de gens qui manquaient. Leur bien était pour leurs frères, leur bien était pour leurs sœurs. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Quel est le rôle de l'huissier au sein de l'Église? Et le rôle des diacres au sein de l'Église. Dans la première Église, la Bible dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun indigent, aucun pauvre, quelqu'un qui peut manquer. Mais ici où nous sommes assis, il y a des gens qui manquent de chemises, des gens qui manquent de l'argent, des gens qui manquent de la nourriture. Mais nous sommes à l'Église, nous avons des indigents. Non, nous avons le Saint-Esprit. Mon frère, nous avons le Saint-Esprit. Mon frère, la puissance de Dieu. Frère, nous avons la parole. Oui, nous avons la parole. Oui, nous avons la puissance. Mais ces pauvres qui sont au sein de l'Église, ils sont à chacun. Est-ce que les gens ont lu les prophètes? Vraiment, non, ici. Il n'y avait parmi aucun indigent, c'est dans la Bible, verset 34. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient au pied des apôtres. L'on faisait des distributions, chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie le fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent, les déposa au pied des apôtres. Amen. Vous avez le Saint-Esprit? J'ai le Saint-Esprit. Amenez l'argent pour les pauvres. Ah, parce que là, tout c'est ma pomme, hein? Vous avez le Saint-Esprit? Oui, nous avons le Saint-Esprit. Quel est le rôle des diacres au sein de l'Église?
fondation de l'église. Frère Branham dit la première église, elle était prospère, elle était glorieuse. Frère Branham dit, écoutez les prophètes, j'ai dit ici. Il dit, personne n'était dans les besoins, pas mangeur. Tout le monde était gentil. Est-ce que vous êtes gentil? Tout le monde était gentil. Est-ce que vous êtes gentil? Qui sont gentils? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Je le crois. Personne n'était dans les besoins. Mais c'est où nous sommes des gens qui sont dans les besoins. Ici nous sommes des gens des sans-papiers qui n'ont même pas, qui n'ont même pas d'argent. Même pas de quoi manger. De quoi se fait-il? Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole. Personne n'était dans les besoins. Tout le monde était gentil. Avait un bon cœur. Tout le monde avait un bon cœur. Non, le problème c'est votre beauté. Amen. Et coração, c'est un problème dans le coração. Amen. C'est un problème dans le cœur. Ton cœur n'est pas droit. Que Dieu bénisse. Si le cœur est droit, tu vas t'aligner avec la parole. Amen. Amen. Tu vas aimer cette famille. Alléluia. Parce que ça, c'est notre première famille. Amen. Nous sommes venus de loin, pour former une famille ici. Amen. Le tabernacle de Bicelle, c'est une grande famille. Amen. Je veux qu'elle soit une famille. Quand j'étais en Afrique, tu me passais qu'à ça dire. Les croyants de Salem Tabernacle de mon église. C'était la seule église où, dans toute la vie, pas faire un avance à la bonne, pas l'indani boyé. Et le pasteur venait prêcher mon église dans leurs églises. Prêcher la vie de mon église dans leurs églises. Amen. Évidemment, c'est là où j'ai eu des problèmes parce que je l'ai appris. Il faut soutenir tout le monde. Ils ont soutenu tout le monde. Alors quand je voulais, je me disais, oh, c'était comme ça. Mais c'est des gens avec un bon cœur. Qui aiment, qui supportent pas voir quelqu'un souffrir. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il supportera pas voir son frère souffrir. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, l'égoïsme part. L'amour de l'argent là que vous avez à sa part. Vous aimerez les pauvres. Vous aiderez ceux qui souffrent. Sans sa maison, sans papier, sans habit, sans nourriture. Elle les aide. Elle maintient. Ils étaient gentils. Amen. La première église, hein, ils étaient comment? Ils étaient gentils. Comment? Gentils. Gentils. Qui sont gentils, ils sont souriants. Que bénisse mon frère. Que bénisse ma soeur. Ils sont gentils. Amen. Amen. Ils sont gentils. Ils sentent les droits des autres. Si toi tu as des moyens, tu dois voir les autres. Si tu as le Saint-Esprit. Si toi tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, c'est que tu y as, ce n'est pas pour ta famille qui est en Afrique. Dieu bénisse mon frère, je pose avec eux. Amen. Mon fils, là, Dieu le bénisse. Excusez-moi de prendre votre témoignage. Le frère me dit, pasteur, nous par exemple dans nos coutumes, et si j'ai quelque chose, mon argent avant tout c'est mon père, ma mère, mes frères, ma femme est loin. Il y a des coutumes comme ça. Amen. Il y a des coutumes comme ça. En Afrique, il y a des coutumes comme ça. Je connais, j'ai vécu au Congo, je connais. Tu connais les coutumes là, dans les Bandundu, dans les Kassai, chez les Kouateb, chez les Bakongo, je connais ces coutumes-là. Quelqu'un qui a l'argent, mais son argent c'est pour son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, mais sa femme est loin. Un autre il a l'argent, son argent c'est pour sa soeur, non, pas sa soeur, les enfants de sa soeur. S'il y a des gens comme ça, venez ça. Amen. Dieu bénisse. S'il y a des gens assis ici, son argent, votre argent, vous pensez que c'est pour les enfants de votre soeur. Donc toi tu es en Europe, ton argent c'est pour les enfants de ta soeur. Les neveux, les nièces, c'est une honte. C'est vrai. Madame dit honte à vous. Dieu bénisse. Amen. Amen. Madame dit, ils étaient gentils. De bon cœur. Ils aimaient son prochain. Il ne formait qu'une grande famille.
Est-ce que je n'ai pas entendu la mère? Il formait une grande famille. Donc ici où nous sommes assis, nous sommes une grande famille. Ma première famille, c'est vous. Amen. Ok, amen. Amen. Sa première famille, c'est vous. Amen. Sa première famille, c'est nous. Amen. L'église qui était remplie du Saint-Esprit, la première église, l'église de la Pentecôte, l'église qui a fait des signes, des miracles, des prodiges, ils ont pris en charge même leur père. Amen. 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 C'est la responsabilité de l'église. Amen. Il n'y avait pas de, il ne peut pas y avoir de pauvres au sein de l'église. Amen. Je vais répéter ça. Si nous croyons le message de Frère Branham, on ne peut pas supporter que les gens manquent de tout au sein de nos églises. Amen. Il formait une grande famille. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, ouvrez dans Actes et Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc 6. Prenez le verset 12 et 13. Marc chapitre 6, je prends rapidement verset 12 et 13. Ils partirent et prêchèrent la repentance. Vous voulez lire le verset 13, lisez ça pour moi. Ils chassèrent beaucoup de démons et ils manièrent d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Et les guérissaient. Donc ils chassaient beaucoup de démons, ils noyaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. L'église doit faire ça. Amen. Prier pour des malades. Oui. Guérir des malades. Amen. Le word est dit, mais ce n'est pas fini. L'église doit donner à manger aux frères et aux sœurs. L'église doit donner des habits aux indigents, aux sœurs. Amen. Si on voit le message de Frère Branham, si on voit la Bible, Amen. Et pire, les gens font des églises pour s'enrichir. C'est mensonge sur mensonge. Mensonge sur mensonge. On place les diacres au sein de l'église. Quel est le rôle des diacres? Avançons encore tout petit peu. Ouvrez dans Marc chapitre 6, là, prenez le verset 30-34. Lisez pour moi. 30-34. Les apôtres étaient rassemblés. Auprès de Jésus, racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Très bien. Jésus leur dit, venez à l'écart. Et les déserts, et reposez-vous un peu, ok? Il y avait beaucoup d'allant et de venant. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ah, verset 32. Parti donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Verset 33. Beaucoup de gens, les villes s'en allaient, les reconnurent. De toutes les villes, on a couru à pied. Donc les gens les ont vus, ils allaient se reposer quelque part. Les gens les ont dévancés, ils ont allés les attendre là-bas. Continue verset 34. Vous voyez, Jésus vit une grande foule et fit un mur de compassion pour eux. Un mur de compassion, il voit les gens. Mon père, mes Omingana, Mawa, il a pitié. Un mur de compassion. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Ils s'est allés enseigner beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Jésus les voit, il est mis de compassion. Excusez-moi, il commence à prêcher la parole. Il les prêche la parole. Il les prêche la parole. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui. Il dit, c'est lui le désert. L'heure est déjà avancée. Renvoyez-les. Chassez-les. Il faut qu'ils partent. Parce que l'État, ils vont fermer l'église. Parce qu'ils vont partir, ils vont partir. L'État, regardez, ils vont partir. Jésus a prêché la parole. J'ai déjà prêché la parole, mais il y a des pauvres qui m'attendent. Non, on peut partir, on peut se fermer la porte. On dit à Jésus, allez, Jésus, Seigneur, tu as déjà prêché, c'est fini, tu as bien prêché. Il faut les renvoyer, mais là c'est fini. Écoutez la réponse. Renvoyez-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes, villages, les environs pour s'acheter de quoi manger.
Ils vont s'acheter de quoi manger avec toi. Jésus leur dit, Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Alléluia. Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Après avoir prêché, il leur dit, donnez-leur à manger. Ils ont écouté la parole, maintenant ils sont affamés. Donnez-leur de quoi manger. Amen. C'est l'église qui doit donner à manger aux pauvres. Amen. Si ce sont des vraies églises, elles doivent prendre en charge les pauvres et les indigents qui sont dans l'église. Mais on les amène, ils vont galérer, je ne sais pas moi. Des fois, on les chasse. On voit même une pauvre qui vient chez les pasteurs.
Parce que c'est ça les rôles des diacres au sein de l'Église. Ouvrez dans Actes d'Apôtre chapitre 3-7. Actes chapitre 7. Vous avez trouvé? 6, hein? Merci. Chapitre 6. Écoutez ce qu'il dit. La première fois que le travail des diacres est institué au sein de l'Église, la première Église, le travail que les diacres vont faire, le travail des huissiers, le premier travail, écoutez. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, donc les grecs, murmurèrent contre les hébreux, les juifs, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc chaque jour, écoutez, donc chaque jour on distribue à manger. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Quand les blancs font ces choses, des fois nous on ne comprend rien. À Finlande, nous sommes à l'église, à la porte là, vous trouvez, il y a des fruits, il y a des pains, il y a des habits, des gens qui sont posés. C'est ce qu'ils veulent, ils prennent. Ah. Les églises des blancs, c'est compliqué. Il n'est pas pour rassasier, il ne va pas mettre. Là où nous sommes en Finlande, à l'église, à la porte, là, vous trouvez des pains, des viandes, des histoires, des fruits, des habits, des ceci. Ils prennent des habits, vous. Mais toi, tu as plein d'habits dans ta garde, l'homme. Les femmes, tu ne les portes pas. Mais ils ne savent même pas les chiffres. J'ai le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Vous allez au ciel, alléluia. Au ciel aussi. C'est la responsabilité de l'église. Ah. Écoutez ce que la Bible dit. Alors, les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alléluia. Amen. C'est pas bien, nous sommes prédicateurs, nous on va pas s'occuper de manger, tout ça. Alors, écoutez, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rend des bons témoignages, qui soient remplis de l'Esprit Saint, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Amen. Donc, parce qu'il y avait des disputes dans les partages de pain, de la nourriture, on dit donc, choisissez parmi vous des frères qui sont bons, qui sont remplis du Saint-Esprit, qui ont la sagesse, qui ont la crainte de Dieu. Nous allons leur donner cette charge. Nous, on va s'occuper de la parole et de la prière. Amen. C'est alors que les premiers diacres ont été institués au sein de l'Église. C'est alors que la fonction des diacres a été instituée au sein de l'Église. Amen. Écoutez le prophète. Vous aimez frère madame. Amen. Amen. Vous croyez frère madame. Amen. Frère madame dit dans l'ordre de l'Église. À la page 3, question 220. Je parle sur la fonction des huissiers. Les huissiers font la fonction des diacres. Écoutez ce problème. Comment l'Église devrait-elle agir lors des demandes d'aide financière pour la nourriture ou des vêtements? Alléluia. Amen. Comment agir que devrait faire l'Église? Donc, au sein de l'Église, il y a des demandes d'argent. Au sein de l'Église, il y a des demandes de nourriture. Au sein de l'Église, il y a des demandes d'habits, etc., etc. Le saint prophète répond, nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens. Amen. Alléluia. Amen. Madame dit, nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens. C'est-à-dire, les nôtres qui viennent au sein de cette grande famille tabernacle de Bruxelles, les nôtres qui viennent dans nos églises, nous avons la responsabilité de les prendre en charge. Amen.
C'est notre responsabilité de les prendre en charge. Et mon ami, nous sommes conscients que l'Église est responsable des siens, des membres de notre assemblée. Nous sommes entièrement responsables. Entièrement responsable. Entièrement responsable. Ce n'est pas à moitié, entièrement responsable. Des nôtres qui viennent ici, nos frères et nos soeurs qui viennent, c'est notre responsabilité. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. S'il y a des pauvres parmi nous, des indigents parmi nous, c'est notre responsabilité. Non seulement prêcher la parole, mais nourrir ces gens-là. Fêtir ces gens-là. Parce que nous sommes une grande famille. Amen. Amen. Nous sommes entièrement responsables aussi longtemps que nous avons les moyens de subvenir à leurs besoins. Amen. Nous sommes responsables de notre, c'est-à-dire des membres réguliers qui sont fidèles au tabernacle. Amen. Et qui viennent et adorent avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Le frère, le soeur, pauvre, indigent, qui manque de tout, qui manque d'habits, qui manque de logement, qui manque de nourriture, qui manque de travail, l'Église est entièrement responsable parce que ce sont des membres de cette Église ou de nos Églises. Amen. Ils viennent, ils adorent avec nous. Amen. J'ai dit, mais les Églises ont tout fait. Les diacres ont tout fait comme travail qu'on leur a demandé, sauf les grands travaux principaux où lesquels on les a payés. Amen. Ils ont tout fait. Amen. Parce que je vais montrer ça, ce qu'ils sont aussi. Ça, ils ont bien fait. Mais le premier travail qu'ils devaient faire, la première fonction, ils n'ont pas fait ça. Amen. Dans toutes les églises, Amen. Dans toutes les assemblées, Amen. Ils n'ont pas fait ça. Amen. Ils n'ont pas fait ça. Les membres réguliers, et le prophète dit, qui est membre régulier d'une église? Un membre régulier d'une église, c'est celui qui supporte l'église. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Supporter l'église, il y a trois façons de supporter l'église. Yes. Qu'un membre doit faire. Un membre doit supporter l'église par sa dîme et son offrande. Amen. Un membre doit supporter l'église par sa prière, c'est-à-dire prier pour son église. Amen. Un membre doit supporter l'église par sa présence physique. Amen. Ce sont ces trois-là. L'église est responsable des siens. Nous sommes conscients de ça. C'est Frère Madame qui répond. Amen. Vous comprenez pourquoi ce saint homme de Dieu, lui, quand il veut même soutenir les autres églises, il soutient les autres. Oui, oui. C'est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi c'est que trop? Les pasteurs amassent de l'argent. Ils ont amassé de l'argent. Ils ont amassé de l'argent. Mais dans les églises, il y a des pauvres qui souffrent. Amen. Non, nous construisons. Nous construisons. Oui, mais il y a des pauvres au sein des églises. Vous avez des choses. Ils ont des voitures, ils ont des jeeps, ils ont tout. Mais il y a des pauvres au sein des églises qui marchent à pied, qui manquent même un moyen de payer les loyers d'une maison. Des croyants dans les églises. Quand madame, on avait acheté une autre voiture là, il dit, mais ah, ça je ne peux pas prendre. Mais quand on me verra dans cette voiture, j'histoire de supprimer là, mais regarde la voiture qu'il a, mais regarde les gens. Quand vous regardez nos églises, il y a une disproportion. Les pasteurs sont très riches, les croyants sont très pauvres. Amen. Juste. Mais nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la puissance. Nous avons la parole. Nous avons les signes. Nous avons la parole de Dieu.
c'est bien la vie à l'église. Des années. Avec un sourire des années, des années. Déjà comme ça. Très bonne amitié. C'est vrai. Nous sommes liés par le devoir. Amen. Amen. Nous sommes liés par le devoir de soutenir ces gens-là. C'est une obligation de soutenir ces gens-là. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que l'égoïsme doit partir au château dans les gens. Amen. Comme nous sommes assis comme ça, nous sommes liés par le devoir de nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Nous sommes liés par l'amour divin de nous soutenir les uns les autres. Oui. Nous sommes liés par le Saint-Esprit de ne pas supporter qu'une seule souffre. Oui. Qu'un frère souffre. Ah. Si vous supportez, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous êtes un menteur. Exact. Ah, c'est vrai. Oui. Que Dieu bénisse. Les pasteurs se plaisent. Les travaux se montrent, les passeports, c'est plein de visas, plein de voyages, de voyages. Mais il y a des croyants qui manquent même 100 euros dans les poches, 100 dollars. Et donc il va déposer un dossier, on demande, amène l'argent pour faire ça. Il n'a même pas ça pour faire une photocopie. Nous sommes liés par les devoirs envers eux. En tant que nos frères et nos sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Ceux qui ont fait preuve que ça c'est notre assemblée, ça c'est notre famille. Alléluia. Amen. Qui sont membres de ce qui aiment cette église, qui aiment les autres. L'église, ce n'est pas le bâtiment ici, c'est ce peuple qui est assis. Amen. C'est ça la première famille chrétienne. Votre première famille, c'est cette église. Ce n'est pas ceux qui sont en Afrique. Prenez un frère qui se tracasse quand il apprend que dans sa famille charnelle, je disais tout à l'heure, il y a tel problème. Là, même s'il y avait l'argent qu'il avait caché là, il va faire sortir ça. Il envoie. Certains envoient l'argent, leurs femmes ne connaissent pas. Certains envoient l'argent, leurs maris ne connaissent même pas. Mais s'il y a un problème au sein de l'église, c'est difficile. Quel est ce Dieu que vous avez cru? Qui vous a menti, qui vous a séduit comme cela? Nous sommes liés par les devoirs envers eux en tant que nos frères et nos sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Or, nous savons qu'il y a des millions de gens ce soir sans nourriture, sans vêtements. Et nous aimerons pouvoir les aider tous, faire notre possible, mais financièrement, nous ne pouvons pas le faire. Mais nous pouvons subvenir aux besoins. On ne peut pas se pour le monde entier. Mais nous sommes liés par des devoirs envers les nôtres. Amen. Donc le rôle des diacres au sein de l'Église, c'est pour aider financièrement, c'est pour canaliser les besoins qui sont dans l'Église. Les besoins matériels, Amen. Les besoins d'habits, les besoins de nourriture, les diacres, votre travail, ces besoins-là doivent passer par vous. Amen. Et vous devez avoir à votre tête le président des diacres qui analyse, qui demande au pasteur. Et le pasteur peut voir, vous voyez ici, j'ai le trésorier, il y a de l'argent pour aider ces familles-là. Le premier travail des diacres, c'est celui-là. Correct. Quand il y a des quelque part, quand il y a un problème, ce sont les diacres qui doivent connaître, les huissiers qui doivent connaître ça, pour informer l'église, informer le pasteur. Yeah. Pas il faut demander au pasteur. Alléluia. Ce sont eux qui doivent avoir l'information. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ça une église. C'est ça une famille chrétienne. Nous avons laissé nos maisons. La Bible dit Jésus, on a demandé à Jésus, mais on a laissé nos pères, nos mères, nos enfants. Qu'est-ce que nous aurions dit? Mais c'est lui qui laisse ses pères, ses mères, là, il aura pour des frères. Amen. Mais c'est vous les mères, c'est vous les frères, c'est vous les frères, c'est vous les pères, mais c'est vous, c'est nous. Amen. Amen. Il y a un cantique, je ne connais pas tellement. Je sais que quelqu'un connaît ça. Pa ra 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 ra
C'est vous, nos frères. C'est vous, ses soeurs et ses frères. Et des parents, c'est vous. Amen. Nous n'avons pas une autre famille que vous. Amen. Ils n'ont pas une autre famille que vous. Amen. L'Église, nous devons arriver à ça. Amen. Sinon, nous sommes des menteurs. Amen. Des hypocrites. Amen. Des amasseurs d'argent. Amen. Des égoïstes. Amen. Et vos pasteurs et vos diacres. Comment les pasteurs prêchent, nous irons au ciel, nous irons au ciel. Mais ils amassent l'argent dans les banques, dans les banques. Et les croyants sont assis. Pasteur Wabisso, voisin un pauvre, hein? Pasteur Wabisso, incrédule. Mais il y a des pauvres à l'église, pourquoi? Si c'est le Saint-Esprit qu'on dit les pasteurs, pourquoi il y a des pauvres au sein de l'église? Pourquoi ces femmes-là souffrent? Les veuves, les orphelins, ils sont abandonnés au détriment de qui? Dans les églises. Mais il y a de l'argent dans les comptes en bas. Des voitures et des voitures, des vestes et des vestes. Ne parlez pas des femmes des pasteurs. Pas des enfants des pasteurs. Les pasteurs des voitures, les enfants des voitures, les femmes ont des voitures. Et les croyants sont là, ils marchent à pied. C'est drôle, je suis pasteur, mais c'est drôle ça. Oui, mais c'est ça le rôle des huissiers et des diacres. Amen. On les place pour qu'il n'y ait pas de pauvres au sein de l'église. Amen. Les diacres ont fait seulement protéger les pasteurs, ça ils ont fait, mais pas s'occuper de leur travail. Les diacres doivent être attentifs, mais aussi attentifs. Est-ce qu'il y a une sœur qui souffre? Un frère qui souffre? Sœur qui travaille. Vous vous appelez au téléphone, vous communiquez, vous causez, vous vous visitez. Amen. Amen. C'est pas une sœur qui approche, qui n'a rien, vous êtes sur le prix. La sœur approche, hein? Vous savez pas. Bon, on va voir un peu parce qu'il y a un peu de problème. Ah, c'est aussi votre acquis. Et on peut éprouver, l'église ne connaît pas, mais aussi ne connaît pas. On est surpris. Ça fait une semaine, deux semaines, un mois. Hé, frère, on ne te voit plus. Ah, j'ai été éprouvé. Ah bon? J'ai été éprouvé. Les rôles de aussi au sein de l'église. Tu peux entendre l'amen? Amen. Et voilà, on dit. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins du monde entier, c'est vrai. On ne peut pas aider tout le monde. Les gens qui souffrent, ils sont nombreux. Qui manquent de logement, qui manquent d'habits, qui manquent de nourriture dans le monde. On ne va pas le faire pour tout ce monde-là, mais pour les autres, nous devons le faire. Amen. Si Dieu te bénit, c'est pour ce peuple qui est ici. Amen. Ah, je n'ai aucun même. Amen. Si Dieu me bénit, moi, c'est pour ce peuple qui est ici. Amen. Je l'ai fait en Afrique et je vais le faire aussi. Amen. Dieu bénit. En Afrique, quand j'étais chez moi à la maison, des gens venaient, même les gens qui ne sont pas de l'église, chaque matin, je donne l'argent. Mais quelqu'un qui a essayé de se donner l'argent. Amen. Amen. Quand on essaie de se donner, on donne l'argent à quelqu'un. Amen. Libérez l'argent. Il faut avoir l'essai de se donner. Libérez l'argent comme ça. Libérez l'argent comme ça. Donnez. Il faut avoir le Christ dans le cœur. Amen. Les diacres, ce sont ceux qui doivent régler ces conflits, ou plutôt ces problèmes. Dans la Bible, lorsque survient cette dispute concernant la nourriture, les vêtements, ainsi de suite, dans le livre des Actes, on fit appel aux apôtres à ces sujets, et ceci dit, choisissez donc parmi vous sept hommes qui leur rendent des bons témoignages, qui soient pleins du Saint-Esprit, afin qu'ils puissent s'occuper de ces choses. Pour nous, nous continuerons à nous appliquer à la parole de Dieu, à la prière. Ce n'est pas les devoirs du pasteur de s'occuper de la nourriture. Ah, non, ce n'est pas les pasteurs. On ne va pas demander l'argent au pasteur. On demande l'argent au huissier, au diable. On demande à manger, la nourriture, les habits, les problèmes sociaux. J'avais dit vendredi, le travail des huissiers, l'église, c'est comme. Excusez-moi, j'ai dit, comme j'ai dit, si c'est CPS, je ne sais pas quoi ici. CPS. Oui, c'est comme ça. Et les diacres, les huissiers sont là comme les agents de ces messes. Canaliser ses besoins. Est-ce que dans l'église il y a un besoin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème? Quelqu'un qui est malade, on a prié pour lui, d'accord. Mais il ne va pas manger. La prière. Non, frère, on a déjà prié, croyez.
Ma sœur, t'as passé la prière? Oui. Le poignet, c'est mort, ça va aller. Mais il a faim. Il a faim. Il n'a pas de vêtements. Ce n'est pas les devoirs du pasteur de s'occuper de la nourriture qui se suit. C'est censé être fait par les diacres ou les huissiers. Et ce n'est pas la fonction des administrateurs. L'administrateur s'occupe du bâtiment et du matériel au sein de l'église. Mais les diacres, les huissiers, les diacres s'occupent du côté de la nourriture, des vêtements, de la bouffe. Pas koumen. Le travail n'est pas la dame koumida. Le travail des diacres, c'est pour donner à manger aux gens, des habits. Résoudre les problèmes, donner de l'argent aux gens, résoudre les problèmes, épauler les gens un peu. Même si on ne peut pas tout résoudre, mais un peu. Amen. Est-ce que ce matin, le Saint-Esprit combat avec l'égoïsme, hein? C'est en train de sortir. Tu vois, l'égoïsme en train de partir. Amen. Oui, parce que si Dieu vous bénit, c'est ce peuple qui prie. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis ton fils. C'est ce peuple qui a prié pour vous. Ce n'est pas les sorciers qui sont en Afrique là-bas. Ce n'est pas votre famille qui prie là-bas, c'est le pasteur avec ce peuple. Amen. Amen. Et quand Dieu vous bénit là, c'est un canal que Dieu ouvre pour bénir ses enfants. Exactement. Amen. Dieu voit qu'avec ton cœur, toi tu peux aider les gens. C'est ce que Dieu te met. Yes. Moi j'aime que Dieu me donne pour que je donne. Ah. Ah. Exactement. J'ai pris que Dieu me donne pour que j'aide mes enfants. Ça, la sauce. J'ai pris que Dieu me donne pour que j'aide ma famille. Ça, la sauce. Ma famille chrétienne d'abord. Amen. Dans la chose que Dieu vous donne, ce n'est pas pour votre famille chargée. D'abord la famille chrétienne. Amen. D'abord les frères et sœurs en Christ. Amen. D'abord ceux qui adorent avec vous, avec lesquels vous passerez les derniers. Imaginez-vous quelqu'un qui manque. Aujourd'hui, ici, il prend le téléphone, il appelle dans sa famille Chanel. Mais aidez-moi un peu. On va dire, qu'est-ce que ça va frère? Ah oui. Ça, c'est vrai. Pasteur Gréo va appeler sa maman. Pasteur Gréo va appeler sa maman. Ça, c'est vrai. On vous répond comme ça? Oui. Ça, c'est vrai. Et au qui m'a dit son comme un frère, Bernard? Nous sommes ces matins comme lui. La Moabite. Ces gens qui viennent, ils sont comme Ruth la Moabite. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Et où tu mourras, moi je vais mourir. Amen. Amen. Rita dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Yes. Amen. Oh, oh, Badi. Naomi dit, mais allez-vous-en, je n'ai pas de mari qui ne va pas vous prendre. Même si je peux avoir des maris, j'aurai des enfants, ils ne vont pas vous épouser. Oba a décidé de rentrer auprès de son Dieu. Oba est rentré à ses dieux païens, les dieux moabites. Mais madame dit, au jeu des cartes, à la boisson, au mensonge, etc. Mais Ruth a dit, là où tu mourras, moi je vais mourir. Amen. Là où tu vas aller, moi je vais mourir. Amen. Ruth s'est décidé d'entrer dans une nouvelle famille. Amen. Amen. Ruth a abandonné sa famille. Ouais. Vous pensez que ses frères peuvent rentrer encore aujourd'hui dans la famille? Dans les messages des parents rédempteurs. Retournez chacune à la maison de sa mère. Trouvez-y du repos. Vos maris sont morts. Vous êtes des belles et jeunes femmes. Retournez d'où vous êtes. Trouvez-vous du repos. Que Dieu puisse des bons temps avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont là. Vous êtes des mères vertueuses. Depuis que vos maris sont morts,
Vous avez utilisé le bon cœur avec moi. Une vieille veuve sans mari. Vous vous êtes attaché à moi. Retournez que Dieu vous donne du repos dans vos maisons. Elle pleure. Elle dit, je suis vieille, je ne peux porter votre fils. Et même si j'avais un mari et que j'enfanterais un fils, que bien cela ferait-il? Quel bien! Vous n'attendez jamais que vienne cet enfant. C'était en fait la loi à ces jours-là. Mais lui, vous n'attendez pas ce fils d'apôtre. Retournez, trouvez du repos dans la maison de vos amis. Retournez chez votre ami. Oh, pas! Un type de l'église tiède, qui a une fois commencé, un type de l'église qui ne fera pas tous les trajets, il dit, bon, ben c'est raisonnable, moi je m'en vais. Oh, ben, il décide de rentrer chez ses parents. Oh, ben, il décide de rentrer dans sa famille charnelle. Elle baisa sa belle-mère et retourna. C'est un type qui croyait en tiède, qui croit que Jésus est le Christ, qui fera ensuite des retours pour retourner à ce qu'il était autrefois. C'est l'homme qui ne se rangera pas avec les quelques méprisés, dit Seigneur, et qui tournera les talons pour retourner en arrière comme un chien à ses vomissures, à une truie à son bourbier, comme dit la Bible. Elle est donc retournée à ses dieux. On revient souvent au Dieu de notre commencement. On revient, on convoitise des mauvaises choses. On retourne convoiter de nouveau. On avait peut-être comme idole la boisson, la fumée, le mensonge, les vols, l'égoïsme, tout ça. On retourne à ces choses. Mais vint l'épreuve de force. Amen. Pour lui, c'était une épreuve de force. Amen. Choisir d'aller parmi un peuple qu'il ne connaissait pas. Amen. Des étrangers qu'il ne connaissait pas. Amen. C'est une décision très forte. Amen. 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 Une décision très forte. Amen. Aller parmi un peuple qui ne connaît pas. Amen. Prendre une position pour aller avec ce peuple-là. Amen. 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 Parmi les étrangers. Amen. Amen. Ruth, elle a pris la décision. Amen. La Bible dit que sa belle-mère lui a dit, retourne à tes dieux comme ta sœur l'a fait. Retourne comme les tiens l'ont fait. Pourquoi les retourner à Dieu? On a des prédicateurs de l'évangile, et l'évangile dit aussi, tu veux t'en aller, tu dois t'en aller. Le prédicateur fidèle, le véridique, qui amènera cela devant une classe de gens. Il dit, prenez votre décision. C'est Jean qui l'a décidé. Si tu as créé au Seigneur ce matin pour la première fois, tu dois prendre la décision de marcher avec Dieu. Amen. Ne recule pas comme Orpa. Avance avec le Seigneur. Amen. Le tien, c'est lui qui ne sait pas où il tient. L'imbécile ne dira pas cela, mais un vrai serviteur de Dieu, il vous mettra face au fait. Il dira, prenez votre décision. Amen. De marcher avec le Seigneur. Rita dit, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Voilà la vraie décision. Amen. Vous pensez que c'est facile pour lui? Une Moabite, une femme étrangère, elle va se coller à une Israélite. Pour dire, je pars avec toi. Dans sa famille, on commençait à se moquer d'elle. C'est vrai. Vous ne comprenez pas les pressions que les gens reçoivent. Vous ne comprenez pas. Les gens qui voient ces messages, vous les voyez assis, vous ne savez pas les pressions qu'ils ont dans les familles. Vous ne comprenez pas. Nous avons des pressions au sein de la famille. Et marcher avec une Israélite. La pression dans sa famille, la pression dans la famille. Vous pensez que quand Ruth est arrivé, c'était facile. Est-ce qu'on l'a bien reçu? On a dit non, on l'a pas bien reçu. On l'a regardé comme une étrangère. Oui. On peut venir faire quoi encore? Mais il avait une décision dans son cœur. Nous avons la décision ce matin. Nous avons abandonné le monde, les choses du monde. On a abandonné nos familles pour dire nous devons suivre le Seigneur. Nous sommes allés parler un peuple.
pardonnez-moi. Partout d'elle, on dit toujours Frère Branabli, Frère Branabli. Alléluia. Amen. Même ses enfants l'appellent Frère Branham. Oui. Amen. Si c'est le pasteur, vous jouez de moi, moi je suis votre frère, je suis pasteur. Lui on l'appelle Frère Branham. Prends. Ces gens qui viennent à l'église, ils ont choisi une nouvelle famille. Ils ont abandonné leur première famille, les familles charnelles, pour venir dans ces peuples. Parmi ces peuples. Et les gens qui forment cette famille ne se critiquent jamais. Amen. Amen. Les gens qui forment une famille ne se jalousent jamais. Frère Madame dit, si votre frère est béni, remerciez le Seigneur. Amen. Amen. Parce que nous sommes en famille. Amen. La famille, vous savez comment s'appelle la famille au ciel? Jésus. Elle s'appelle Jésus. Sur la terre, elle s'appelle Jésus. Amen. Nous sommes dans la famille Jésus. Quand un frère est béni au sein de la famille Jésus, si vous trouvez une famille où les gens se critiquent, ça c'est pas une bonne famille. Ça, amen. Ça c'est vrai. Amen. Que Dieu bénisse. Est-ce que là où tu es assise, tu peux être assis, tu critiques ta soeur qui est sortie de même ventre avec dans le ventre de ta mère, tu peux la critiquer? Non. Tu peux critiquer ton frère qui est derrière toi. Tu dis même, tu exposes, ah, mon frère là, vraiment. Mon frère. C'est un manque de l'esprit de Christ. Amen. Les saints prophètes ici. Écoutez ceci. Ils sont paragraphe 14, là où j'étais dans l'ordre de l'église. Dans la Bible, souvenez-vous, il pourvoyait aux besoins des leurs. Dans la Bible, il pourvoyait aux besoins des leurs. Amen. Dans la Bible, il pourvoyait aux besoins. Il ne faudrait pas. Si peut vous sentir dans les sauces, vous sentez la sauce toujours. On n'a pas d'argent. Certains même, là où je viens, il y a même certains qui fouillent l'église à cause des habits. Oui. Et là, il n'y a rien à porter, elle fouille. Mais elle aime le Seigneur, elle fouille. Elle aime le Seigneur, mais il ne peut pas supporter. Elle est mal à l'aise. Et l'autre qui doit laver la même chemise, la laver le soir, le matin. Dans la Bible, il pourvoyait aux besoins des leurs. Ah. Une fois, une dispute s'éleva entre les Grecs et les Juifs parce que l'un recevait un peu plus que l'autre. Mais il s'agissait là des gens qui avaient vendu tous leurs biens et les avaient donnés à l'église pour la soutenir. Amen. Amen. Votre argent appartient à l'église. Amen. Amen. Je vais répéter parce que c'est vrai, madame. Et madame dit, votre argent appartient à votre église. Amen. Votre argent, c'est pour vos frères, c'est pour vos soeurs. Dieu vous donne pour ça. Non seulement pour ta maison, c'est pour les frères et les sœurs qui sont à votre place. Amen. Voilà d'où sont venus nos premiers diacres. Et c'est l'une de leurs fonctions de s'occuper de ça. Je pense, puisqu'ils sont des nôtres, que ce sont nos propres fidèles, nous devons prendre soin d'eux. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce sont nos fidèles, ce sont les nôtres, nous devons prendre soin d'eux.
Et s'il y a des plaintes, elles devraient être adressées au président du conseil des diacres. Et cela devrait ensuite être réglé par le conseil des diacres et verra ce qu'il peut faire à ce sujet. Toutes les demandes relatives aux vêtements, à la nourriture, à une aide financière, ou quoi que ce soit. Amen. J'ai lu le prophète. Amen. Toutes les demandes, c'est paragraphe 15, toutes les demandes relatives aux vêtements. Alléluia. Amen. Les choses que vous aimez là, que vous faites, les autres aussi ont besoin de ça. Amen. Ce qui vous fait vivre là, l'autre aussi peut vivre. Vous appréciez seulement vos venez en Europe, les blancs vous prennent en charge. Hein? Vous êtes très content. Au moins, nos gouvernements africains sont incapables avec tous les millions qu'ils ont pour même aider les pauvres. Il faut remercier ces blancs qui vous reçoivent. Hein? Amen. Il faut les remercier. Amen. Pour bénir leur pays. Amen. Qui vous donne des maisons, qui vous loge. Il faut les remercier. Amen. Ouais. Amen. Amen. Il faut respecter ces blancs qui vous donnent des maisons. Amen. Vos gouvernements en Afrique sont incapables de construire des maisons pour loger même les gens. Moi, je me souviens quand j'étais en Afrique, les sociaux, ils venaient me demander mon argent. Les ministères des sociaux, des environnements, ils me disent, ah, mais moi, pourtant, c'est le peuple qui doit les faire. Et viennent vers les gens des églises. On dit seulement, oh, affaires sociales. Et c'est même pasteur fini. Pas d'affaires sociales, on finit. Mais l'affaire sociale, c'est lui qui doit prendre les gens en charge. La fille, c'est le contraire. C'est pas lui dans les églises. Dans les églises. Toutes les demandes relative aux vêtements. Je n'ai pas entendu la main. Amen. À la nourriture. Je n'ai pas entendu la main. Amen. À une aide financière. Momo. Aide financière. J'ai besoin d'aide financière. Frère Madame dit, ou quoi que ce soit. Amen. Donc il y a vêtements, nourriture, aide financière, ou quoi que ce soit. Amen. Devrait passer par les diacres. Amen. Ça va passer par les officiers. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les demandes de vêtements, de nourriture, des aides financières, ou quoi que ce soit, ça doit passer par les officiers, par les diacres. Et les diacres, alors les diacres, une fois qu'ils ont décidé, ils vont faire cela à ces sujets. Devraient alors soumettre cela au trésorier. Pour savoir si le trésorier est en mesure, en ce moment, de débourser ses montants ou d'acheter ses vêtements ou ses dons, il peut être question. Amen. J'ai pas entendu la même. Amen. Les conseils des diacres donc devraient se réunir à ce sujet. Cela ne concerne ni les administrateurs ni les pasteurs. C'est entièrement l'affaire des diacres. Amen. Donc, le travail des diacres, c'est pour les vêtements, c'est pour la nourriture, les aides financières. Et quoi que ce soit, c'est le travail des haussiers qui seront des diacres pour canaliser ces besoins-là. Parce que nous sommes dans une grande famille, la famille de Jésus. Nous devons prendre les nôtres en charge. Amen. Amen. Donc si Dieu me donne l'argent, quand je lève le main, Seigneur, bénis-moi. C'est pour dire, Seigneur, si tu me bénis, je vais aider tes enfants. Amen. Là, Dieu dit au Seigneur, Io. Amen. Amen. C'est pas Dieu met l'argent dans tes mains, toi tu vas faire. Il va faire descendre pour que toi tu distribues. Amen. Lisons dans 1 Jean chapitre 1. Je suis vers la fin. 1 Jean chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Verset 6. J'ai dit, 1er Jean, chapitre 1, verset, je prends verset 7. Non, verset 6.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comment et comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Amen. Si nous sommes dans la lumière, si nous sommes en communion avec Dieu, nous aurons la communion entre nous-mêmes aussi. Nous serons mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Écoutez, chapitre 3. Chapitre 3, verset. Commençons verset 11, on va descendre. J'ai dit chapitre 3, verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. En famille, si Dieu bénit un, soyez content. Amen. J'ai demandé, j'ai posé ces questions quand j'étais en Afrique, quand j'étais, j'ai demandé. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que les gens du monde, les païens, les fêtes du monde payent une voiture, tous les païens sont contents. Pourtant, ils n'entraient pas dans cette voiture. Mais parmi les frères, un frère est béni par la voiture. Il a une promesse. Il veut montrer qu'il a l'argent. Il a sa frère. Un tel esprit, je le supporte des païens. Amen. Amen. Si votre frère est béni, remerciez le Seigneur. Comme un homme dit, dites Seigneur, béni encore. Amen. Ne soyez pas jaloux dans votre cœur. Soyez contents quand Dieu bénit un frère. Réjouissez-vous de la bénédiction de votre frère. Amen. Amen. Toute une famille est allée en esclavage à cause de la haine contre quelqu'un que Dieu avait béni. Exact. Ah. Exact. C'était Joseph. Exactement. Toute la famille est partie en esclavage. Ils ont comploté, mais il n'y a que le Satan. Le quoi, pas ici. Et voilà, il vient voir. On va les tuer. On va les tuer aujourd'hui, on va les tuer. Oui, madame dit, tuer quelqu'un, c'est pas seulement prendre les couteaux, enfoncer dans ses yeux. Tuer quelqu'un, c'est parler à Marie. Amen. 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 Madame dit, tuer quelqu'un, c'est pas seulement prendre un couteau, enfoncer dans son dos. Quand vous êtes assis en train de parler de quelqu'un, à mal, mais vous tuez votre frère. Amen. Vous tuez votre soeur. Amen. 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 Si vous êtes un chrétien, ne supportez pas de telles choses. Mm. Vous voyez quelqu'un qui vient chez vous, il commence à dire, chéri, frère, j'arrive, hein. Tu as de la charge. Tu commences à prier. La femme frivole, c'est le seul au salon. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, lui quand il marche, ce sont les critiques. Lui son travail, c'est critiquer les gens. Critiquer les frères, critiquer les sœurs. Parce que moi j'ai acheté ça. Et ça, je ne supporterai pas dans cette espèce. Amen. C'est lui qu'on va ne pas avec sa preuve. Place les vagues. Parce que ce sont des critiques qui déchirent les églises. Ce sont des critiqueurs qui déchirent les églises. Tu connais frère, frère, tu connais frère, frère, tu connais frère, allez, allez. Tu connais celle, frère, mais c'est cette celle-là. Non, tu ne peux pas parler, tu veux c'est moi. Menteur! Parce que l'esprit congolais, ça! En avant, on appelle ça fofo. Ta bouche, je ne pas c'était. Amen. Tu t'intéresses à tout. Amen. C'est quel fils, ça? Écoutez. Et ils se sont dit, tuons-les. Et l'autre a dit non, on ne les tue pas.
on va les vaincre. On va les vaincre comme ça. Ça peut le faire de la charge. Et tout le pécat est venu. Tout le pécat, comme ça, on aura de la charge. Ils ont banni Joseph. Joseph a été visité par Dieu. Joseph a été béni par Dieu. Joseph est parti. Partout, il était béni. Et pourtant, chaque personne qui est entrée dans la maison, était béni. Il y a des gens comme ça que Dieu a béni. Il faut aimer votre frère. Aimer vos soeurs. Acceptez ça. Soyez contents. Mais changez de personne. Soyez fiers. Si toi tu rentres aujourd'hui, demain je vais t'accorder ça. Et donc, quand quelqu'un est propre, c'est un problème. Il faut être propre. Amen. Il faut être propre. Amen. Il faut être propre. Amen. Il ne faut pas être sale. Il faut être propre, être chic. Quiconque, celui qui n'aime pas son frère, demeure à la mort. Donc j'ai sauté, hein? Verset 13. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous est. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Non, je. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes passés de la mort à la vie? Je sais que je suis passé de la mort à la vie parce que j'aime le frère. J'aime les enfants de Dieu. Amen. Il faut sortir de nos coutumes là, de l'Afrique là. Sortir un peu de ces choses là, les coutumes, les cécis, les tribus. Sortez de ces choses. Amen. Soyez des chrétiens. Amen. Soyez des chrétiens. Amen. Amen. Quand j'étais à Helsinki, Dieu bénisse le nom de Dieu. Il a demandé à son église, qui sont les bâtons ici? Les gens révèlent. Qui sont les bandages? Les gens révèlent. Qui sont les Valouas? J'en ai fait des tiens. Qui sont les Cécis? J'ai dit, waouh! Je suis en présence des Valouas, des Congo, des Swahili ici. S'il y a quelqu'un encore ici comme ça, venez à l'hôtel et implorer la grâce. Amen. 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 Il doit y avoir la différence entre les païens et ceux qui ont cru ces messages. Amen. 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 Il ne faut pas se comporter comme les païens qui sont en Afrique. Qui, non, même qui sont ici, il doit y avoir une différence. Quand tu te mêles à des choses qui se font ici, tu es comme un païen, tu dis non, mais c'est pas possible. Moi je suis un chrétien, je l'ai toujours dit, je n'ai pas une vie double. Amen. La vie que j'aime, c'est celle que j'aime. Amen. Avec les païens, tu es païen. Le cœur. Ah. Un cœur qui n'a pas d'amour. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Amen. Pour savoir que tu es parti, tu étais mort, mais là tu reviens à la vie. Tu aimes les frères et les sœurs. Amen. Amen. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Amen. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Demeure en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Mon frère, j'ai l'amour. J'ai la parole de mon frère. Suis la doctrine, il démontre toute la doctrine. Suis la doctrine des mondes. L'amour de Dieu consiste à donner de l'argent. Amen. 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 L'amour de Dieu consiste au pasteur de libérer. Amen. Au frère de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui souffre dit non, va te réchauffer, va mourir là-bas. Mais toi, tu es dans les besoins, tu es dans les besoins. Mais à l'église, il y a des diacres. Quel est le travail de ces diacres là? Des politiciens. Ce sont des diacres politisés dans les églises. Il faut les gens politiques. Au lieu de canaliser les besoins des enfants de Dieu, au lieu d'aider les enfants de Dieu, de prendre les besoins des enfants de Dieu pour les aider comme une église, mais les diacres se sont dirigés comme des politiciens au sein des églises. Ils ont tout fait sauf leur travail.
travail que Dieu leur a demandé. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, comme à l'amour de Dieu demeure-t-il en nous. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action. Amen. L'amour, c'est l'action. Amen. Quand on dit à ta femme que tu l'aimes, on fait les actions. Amen. Amen. Tu vas dire à ta femme, je t'aime. Mais il va manger quoi. Je t'aime, on fait des actes. Quand la femme dit à son mari, je t'aime, elle fait des actes. Et même quelqu'un se pose des actes. Amen. Moi j'aime beaucoup la sœur. J'aime beaucoup le frère Gaza. Mentira. Petits enfants, n'aimons pas en parole. Et avec la langue. Ah, très terrible. N'aimez pas seulement en parole avec la langue, mais aimez en action et avec vérité. Amen. Par là, nous connaissons que nous sommes dans la vérité et nous rassurons que nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit, que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres. Amen. Selon les commandements qu'il nous a donnés. Frère Balaam dit, pour terminer dans un message, écoutez ce qu'il dit. C'est pas fini ici. On a tout fait, sauf la chose la plus fondamentale qu'il fallait faire. Dans les messages, quand l'amour s'élance. Paragraphe 4. Je pense qu'il y a une chose dont on a besoin dans la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Nous n'avons pas autant besoin que nous les pensions de nos dons et de nos émotions, quoi qu'ils soient merveilleux, et que nous louons Dieu de ce que nous les avons. Alléluia. Amen. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, ils ne sont pas efficaces. Correct. L'amour devrait gouverner le foyer. Un foyer qui n'est pas régi par l'amour n'est pas vraiment un foyer. Si dans un foyer il n'y a pas l'amour, vous savez ce qui se passe? Papa avec ses enfants critique maman. Maman avec ses enfants critique papa. Les enfants eux-mêmes critiquent papa et maman. Ça, c'est pas une famille. Il y a des familles comme ça. Quand papa essaie d'appeler les enfants, il prend sa femme. Il dit, bamba, votre mère, vraiment, votre mère. Quand maman avait servi les enfants, les enfants, j'ai donné à les papa et maman. Un foyer qui n'est pas régi par l'amour n'est pas vraiment un foyer. Si le mari et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un dans l'autre. C'est même au sein de l'église. Frère Branham, Dieu lui a montré. Quand il est parti de l'autre côté, Dieu lui a dit, là je lui ai dit, ce qui peut entrer ici, ce n'est pas les églises. De l'autre côté, ce n'est pas les tabernacles qui entrent. Ce n'est pas les doctrines qui entrent là-bas. Ce n'est pas les sensations et les dons. Ce n'est pas la puissance. Ce qui entre là-bas, c'est l'amour divin. Amen. La seule chose qui peut traverser. La seule chose qui fallait l'autre côté, la seule chose qui peut vous amener dans la présence de Dieu, c'est rien que l'amour divin. L'amour de Dieu dans votre cœur. Aimez votre frère, aimez votre soeur.
Soyez sincères parmi vous. Soyez honnêtes. Ne vous faites jamais du mal. Dites à votre frère sincèrement les choses. Parlez-lui franchement parce que c'est votre frère. Parlez-lui franchement parce que c'est votre soeur. Aidez votre frère. Aidez votre soeur. Parce que nous sommes une famille. Est-ce que je peux entendre la mère? Amen. Si les maris et la femme ne s'aiment pas profondément, ils ne peuvent pas avoir confiance l'un à l'autre. Rappelez-vous, l'amour est la puissance la plus forte au monde. Au lieu de faire reposer notre foi sur quelque émotion, ce qui est à nôtre, ou sur quelque don, ce qui est à nôtre, comme crier ou parler en langue, nous devions faire reposer notre foi sur l'amour de Dieu. Si nous faisons cela, nos églises progresseraient beaucoup plus rapidement. Car Dieu est amour. Si nous voulons que les tabernacles de Bruxelles prospèrent, nous devons nous accrocher à l'amour de Dieu. Si nous voulons prospérer, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous dire la vérité. Nous devons nous soutenir comme des fils et des filles de Dieu. Mais Jésus s'appelle un parent. Il s'appelle un parent. Parent rédempteur. Et nous sommes des fils. Lui, il est un parent. Nous sommes ses enfants. Nous devons être sincères entre nous. Nous devons nous aider. Nous devons nous épauler. Parlez franchement à votre frère. Parlez franchement à votre soeur. Aidez votre frère. Aidez votre soeur. Épaulez ces veuves et ces orphelins qui souffrent et qui n'ont rien au sein de l'église. Si Dieu vous a fait grâce. Si nous faisons cela, nos églises progresseraient beaucoup plus rapidement car Dieu est en nous. Amen. Le prophète dit, maintenant l'amour filéo doutera toujours et se posera toujours des questions. Mais l'amour agapa au cérébral sera plein d'assurance. L'amour filéo se pose des questions. Si vous aimez avec un amour filéo, ne posez des questions. Mais l'amour véritable, l'amour de Dieu dans les cœurs, il n'est pas soupçonneux. Amen. Amen. Vous êtes français. J'ai dit, quand vous aimez quelqu'un dans votre cœur, d'un amour de Dieu, vous n'allez pas soupçonner. Amen. Amen. Vous pouvez tenir ma place. Comme il a dit comme ça, comme il a fait comme ça, donc c'est, cela veut dire. La place. L'amour est plein de confiance. Amen. Si j'aime mon frère, si j'aime ma soeur, si j'aime mon église, si j'aime mon pasteur, je suis plein de confiance. Les règles que nous avons, vous savez, moi quand j'aime, je m'oublie, j'aime. C'est l'erreur que moi j'aime peut-être. Quand moi j'aime, j'aime. T'es pas en Europe où tu veux comment? Faut sortir de ces esprits des pays que vous avez, dans lesquels vous allez. Sortir de l'égoïsme, sortir de l'indifférence. Vous aimez les uns les autres. Brisez les mythes. Le monde reconnaîtra. Voilà les véritables chrétiens. Amen. Voilà une Amen. Famille. Et les gens viendront s'associer à vous. Les gens viendront pour adorer. Amen. Parce qu'il y aura une force qui Amen. Les attire. L'amour dit de Dieu dans le cœur. L'amour divin. Madame dit, quand vous avez l'amour divin dans votre cœur, que l'avion tangue, rien n'arrivera. Amen. Quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, on peut braquer une arme contre vous, on ne vous fera jamais du mal. Amen. Madame dit, quand vous avez l'amour de Dieu dans Amen. Votre cœur, vous ne ferez jamais du mal à quelqu'un. Amen. On ne vous fera jamais du mal. Amen. Madame dit, j'ai vaincu, j'ai dompté les démons les plus cruels à cause de l'amour divin. Il aimait même les animaux. Il a aimé les abeilles, il a aimé les insectes, il a proche. Amen, amen, amen. Un fou est venu vers lui devant cet homme de Dieu. Alléluia. Devant notre Père. Amen, 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 amen. Vous suivez quel modèle vous. Un fou est venu, le menaçant dans l'église. Toi, tu as menti les gens, tu es menteur, je vais te casser aujourd'hui. On a mis là. Les gens qui étaient avec lui, tu les traites. Quoi? Il est respectable.
Ce fou-là, il avait déjà cassé la mâchoire de notre pasteur. Il avait la haine contre le pasteur. Dis-toi, tu m'as les gens. Je vais te montrer aujourd'hui. Je vais te casser la mâchoire. Il avance. Et madame dit, au lieu de les haïr, je l'ai aimé. Amen. Amen. Il a dit, non, c'est pas lui qui parle. Amen. Exact. Un esprit. Exact. Yes. Amen. Il dit, mais cet homme-là, il peut avoir une femme avec des enfants. Ah oui. Ah, c'est un bon monsieur. Alléluia. Amen. Les autres pasteurs qui ont fui, William Branham est resté fixe. Parce que dans son cœur, il avait Dieu. Parce que dans son cœur, il avait l'amour divin. L'amour de Dieu, il ne soupçonne jamais. L'amour de Dieu plein de confiance. Cet homme avance. Il avance. Ce que madame dit, il a fait une prière. Toi, c'est son diable. Exact. Il ne parlait pas à l'individu. Voilà l'esprit qui t'est servi. Alléluia. Parce que tu dis diable, parce que tu as fait un serviteur de Dieu, tu dois tomber en mort. Amen. L'homme avance. L'homme avance. L'homme avance. Il reste à deux pas de frère Branham. L'homme lève le poing. Il lance le poing. Tout. Alléluia. Amen. Il commence à parler. Amen. C'est quoi ça? L'amour, c'est une arme. L'amour, c'est une puissance. Nous devons nous aimer les uns les autres. Ceux qui s'aiment ne s'écrivent jamais. Amen. Impossible. Ne se jalousent jamais. Amen. Ne parlent jamais à mal de leurs frères et leurs sœurs. Jamais. Ça, c'est une nouvelle église. Amen. C'est une nouvelle page. Amen. Une nouvelle Amen. Chanson. Amen. Vous connaissez là où vous êtes. Ici, c'est une nouvelle église. Amen. Chacun a sa place. Alléluia. Chacun a quelque chose à faire pour le Seigneur. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Supportez vos frères. Amen. Supportez vos sœurs. Soutenez vos frères et vos sœurs. Amen. Amen. Vous n'avez pas vos problèmes de Bruxelles. Amen. Je m'en fous de ça. Amen. Ça, c'est une nouvelle église. Amen. Une nouvelle page. Amen. Une nouvelle chanson. Amen. Je reçois tout le monde. Amen. J'aime tout le monde. Okay. Mais c'est tout le monde de okay. Amen. Amen. Que chacun se sente à l'aise. Amen. Que chacun se sente à sa place. Okay. Que chacun sente que c'est dans sa maison. Amen. Que chacun sente que c'est dans sa famille. Que chacun trouve la place. Amen. 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 Et si nous pouvons entendre. Amen. Amen. Que chacun trouve sa place. C'est juste. Que chacun se sente. Amen. Que chacun qui aime le pasteur. Je l'ai répété maintes fois. J'ai dit au frère. Cette église était longtemps. Les gens ne vous verraient pas. Quand les gens viennent, c'est pas ce qu'il y a passé quand ça dit. Je n'ai pas entendu la main. Il ne suivent pas les couleurs. Parce qu'il y a de belles couleurs ailleurs. Ils ne suivent pas les chaises. Parce qu'il y a de belles chaises ailleurs. Ils ont appris qu'il y a un pasteur. Ils ont écouté, ils disent nous nous accrochons à ces dons. Que chacun y trouve la place. Amen. Que chacun soit béni. Amen. Qui aime ces dons, qui aime les soutenir. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Madame est partie de l'autre côté. Il a dit, depuis qu'il est rentré, il n'était plus le même. Oui. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il est là, il voit les gens qui l'embrassent. Frère Manam, précieux frère Manam, si tu n'étais venu, nous ne serions pas ici. Tu étais venu, il voit la sœur Ophé qui vient, qui l'embrasse, qui quitte. Après, il voit la sœur Anna, excusez-moi, qui vient, qui l'embrasse. Frère Manam, je comprends rien. Et Ophé est à côté. Frère Manam dit, mais je comprends rien. La voix lui dit, c'est ce que tu as enseigné. Alléluia. Merci Seigneur. Il voit Ophé et sa femme qui l'embrasse au cou, qui laisse. Après Ophé, c'est Esther qui vient qui embrasse. Alléluia. Pour l'homme dit, je comprends rien. La femme dit, c'est ça ce que tu avais enseigné. Là, il n'y a pas de jalousie qu'il y a. De l'autre côté, il n'y a pas de tabernacle. De l'autre côté, il n'y a pas de la haine qu'il y a. Il n'y a pas de jalousie qu'il y a. C'est l'amour parfait qu'il y a. Aimez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aidez-vous, soutenez-vous. Parce que vous êtes une famille. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.
Comme j'ai mal, chaque
te soit fait sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au ciel des siècles. Merci, notre Seigneur. Merci, Père Céleste. Nous voulons t'acclamer, Seigneur. Thank you.
Shaddai. Acclamons très fort pour les frères Shaddai. Ici, vous avez payé sur ces choses. Soyez bénis, frères Shaddai. Je vois ici là-bas, là-bas, je ne connais pas la société. Passez la neige, je te bénisse, ma soeur, merci bien. Acclamons très fort pour la soeur.